Parler de la loi de l'éther, les gens sont là, c'est quoi la loi de l'éther? C'est que tout revient en son centre. Tout revient vers son centre. Le centre dégage quelque chose et ça revient au centre. C'est tout. C'est pas la gravité, c'est la loi de l'éther. Tout revient à son centre. C'est ce qui fait que une goutte d'eau est ronde. C'est une boule. Une boule. Si elle tombe, la goutte d'eau, évidemment, elle va avoir la forme aérospatiale de la résistance de l'air. OK? Alors, il faut T'as ouvrir pas son peur de esprit, rien? essayer. Pardon? J'ai dit, t'as pas peur de rien, toi, c'est fantastique. Moi, j'ai peur de rien, moi. Je le vois, je le sens, t'as peur de rien. Parce que t'es ouvert à toucher au fait que oui, il y a un complot contre l'humanité. Oui, il y a des êtres. Il est parti, Menki? Non. Il est parti? Non, je suis ici. Non, il est là, il est là. On vous écoute attentivement, monsieur Bouddhi. Oui, c'est juste Voilà. que, oui, c'est ça. Non, écoute, moi je veux apprendre, je veux essayer de comprendre ta Alors, compréhension, ta vision de comment tu vois ça. voilà. Et puis, je sais que tu es ouvert à me Bien laisser sûr. partager la mienne avec toi. Et c'est comme ça qu'on va finir à démystifier le mystère. Parce que pour le Alors, moment, c'est mystérieux. Hein? Marie, alors j'en suis Oui, arrivé à oui. cette conclusion-là. Moi, avant cela, je n'étais pas pour la Terre plate. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et suite à cela, moi, toutes mes recherches, je ne comprenais pas parce que je pensais que j'étais dans l'erreur totale. J'étais dans le faux. Et je regardais un peu tout ce que l'homme avait découvert, ce que l'homme était en train de découvrir. Et un jour, je suis tombé sur des sphères. J'étais tombé sur des publications de Cemil Osmanović, celui qui a découvert les pyramides de Bosnie, et il avait découvert des Oui. sphères, les fameuses sphères-là. Oui. Oui, j'en avais entendu. Oui, on a entendu parler de ça, oui. Voilà. Alors, j'avais lu des rapports d'analyse chimique. Et je leur avais écrit, je leur avais dit, écoutez, les analyses que vous avez soumises, parce qu'on a retrouvé plusieurs métaux dans les couches successives, c'est-à-dire par couche, il y avait plusieurs métaux. Alors eux, ils ont pensé, ils parlaient d'extraterrestres, de civilisations anciennes, et moi, je leur ai parlé de fossiles, de fruits, de noyaux de fruits d'arbres géants. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu des photos. Et j'ai vu ces structures octogonales, hexagonales, comme par exemple la tour du diable. Et après, on en Oui. retrouve en Irlande, partout dans le monde. Et là, Oui. je me suis dit, mais comment est-ce possible que le monde actuel passe au travers de cela? Pourquoi? Parce que là, nous avons la mutation de la matière. Alors, la mutation de la matière ne peut avoir lieu que avec l'hydrogène. C'est-à-dire que l'hydrogène, l'élément le plus léger qui puisse exister dans notre monde. Eh bien, lui, il va transporter avec lui et sous l'agissement d'un courant électrique les autres matières pour les combiner et les recombiner à l'infini. C'est ce qui va créer notre monde, notre Terre. C'est-à-dire que moi, je suis parti sur un arbre géant qui à l'origine a créé notre monde. Je ne parle pas de la Terre complète parce que c'est très long. On ne peut pas créer quelque chose sur quelques millions d'années. Donc les âges que nous avons donnés de l'univers, si on représente notre Terre comme l'univers, le centre d'un tout, eh bien tout est Oui. faux. Il faudrait aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut envisager un monde où il n'y a plus d'oxygène, un monde où sous nos pieds il y a des acides, il y a du soufre, et que cette matière, elle est transportée. Elle est façonnée d'une manière très intelligente. Donc, ce sont ces arbres-là qui nous constituent à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les arbres que nous voyons maintenant ne sont que les fractales de ce fut jadis. C'est-à-dire que c'est infini et c'est inimaginable. Ça va au-delà de notre compréhension. Revenons à votre démonstration là, parce que c'était important d'en parler justement Oui. Alors, de. alors Et oui. Marie. Alors quand j'ai fait ma démonstration,
Je crée un chalumeau, je teste. Alors, je le faisais marcher toute la journée dehors. Alors, on me demandait, mais qu'est-ce que c'est ces explosions qu'on entend? Je leur dis, non, non, mais je fais des tests. Alors, après, j'ai créé le vide. Alors, j'ai enlevé l'atmosphère et j'ai mis de l'oxygène et de l'hydrogène. Et j'ai mis une boule de pétanque à l'intérieur. C'était un réceptacle. Et au bout de quelques jours, ma boule de pétanque commençait à changer de forme. Elle s'est fissurée. Et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement que l'hydrogène voulait se lier à la matière. Oui, et après, j'ai la fait boule. Fissurée. Waouh. C'est grave ce que tu dis. Ben, c'est bon. C'est bon. C'est grave que l'hydrogène veut s'amalgamer à la matière. Parce que c'est ce que Tesla disait. Il disait que l'éther, c'est l'hydrogène. Il dit qu'il n'y a rien qui peut exister sans l'air. Parce que l'eau, c'est de l'air. C'est du H2O. Bon, alors on se comprend. Alors, il y a quelque chose de mystique. Toujours dans une pierre d'achoppement. D'accord. Et Marie, ça, j'entends bien Marie, tout ça. Je, oui. Alors, quand je suis le premier à avoir été avoir soulevé le problème pour les fameuses sphères là, qu'on retrouve dans le monde. Pourquoi? Parce que j'avais émis l'hypothèse que c'était des noyaux de fruits fossilisés d'arbres géants. Et on m'a posé la question, on m'a dit, mais comment est-ce possible? Eh bien, j'ai dit, grâce à l'hydrogène, parce que en mettant ces noyaux dans, ou si on mettait du bois dans un réceptacle à base d'acide, ou voire même de l'eau salée, et que on fasse passer un courant électrique de faible intensité, et bien la matière qui est à côté, elle va aller vers l'intérieur. L'intérieur du bois ou l'intérieur de la matière. Pourquoi? Parce qu'elle va modifier les structures atomiques. C'est-à-dire qu'elle va transporter des électrons vers un noyau atomique et va augmenter la densité. C'est-à-dire, c'est ce qui va donner le poids aux pierres, qui va donner, ça va changer, ça va se modifier. C'est de l'alchimie.